Bon, peut-être je vais vous dire pourquoi je suis à Dallas. Hein. Je suis un peu venu à Dallas pour voir un peu ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe en matière de real estate et voir s'il y a des opportunités pour faire des affaires. OK? Donc, on continue. Quoi.
got a Mercedes with Shane. Hey, me and Lil Harley, we back in the position. We about to go link with the game. Hey. C'est terminé à l'avantage de tous les partenaires, les opérateurs économiques qui vendent, membres de la FENC, la population qui achète parce qu'ils veulent acheter à un bon prix. Donc c'est à l'avantage de tout le monde. Les opérateurs économiques, ils ont raison de pouvoir, je dirais, se ranger au sein de la corporation. Le gouvernement est là pour réguler. La population est là comme consommateur, ne peut pas acheter plus cher qu'il ne devait acheter. Donc c'est normal. Ils achètent au prix du marché, certains vont dire on laisse le marché fixer son prix. Non, il est servi dans le prix à l'époque. Aujourd'hui, il est temps de réguler que l'État soit présent. Je ne vous apprendrai pas qu'à l'époque, certains ministres véreux se faisaient payer pour que les opérateurs économiques se sentent libres de fixer les prix des choses comme ils entendent parce qu'ils avaient des politiciens dans leur poche. C'est ça qui fait l'objet des discussions. Le FMI et son plan d'1,5 milliard de dollars, ce sera pour investir cet argent ou placer cet argent principalement où? Il y a deux choses. Cette semaine qui va commencer peut-être dans deux jours, là, nous devrions conclure un programme formel. Le FMI et la RD Congo. Ces programmes étaient rompus depuis 2012. Et que la reprise de ces programmes augure en tout cas, je dirais, des jours meilleurs. On aura un rythme très lent. L'administration est lourde pour pouvoir monter des projets pour lever des fonds. Mais dans les 1,5 milliards, on nous donne, ça c'est autre chose. Mais dans ce que vous dites, nous ne sommes pas capables de ficeler des projets définis pour pouvoir lever des fonds. Right, c'est une faiblesse. Oui, les 40% dont vous parlez, ça vous dit, les 40% du milliard et demi dont vous parlez pour financer des projets innovants, ce serait des projets que on aurait à monter. Vous qui dites ou reconnaissez que nous avons des difficultés de ce côté-là. Bon, disons que on nous aura déjà donné de l'argent. C'est facile de les utiliser. Mais quand on vous demande de faire un projet et respecter les normes et les procédures pour pouvoir obtenir des fonds, ça c'est autre chose. Mais là, on aura déjà obtenu les 1,5 milliards. Sauf que dans la manière d'allouer, on peut dire 60%. Ça va améliorer la balance des paiements. Et les 40%, on les affecte. On a quand même un tiroir où il y a beaucoup de projets. Nous avons le plan national stratégique de développement. Nous avons notamment le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Nous avons commencé dans les grands Kassai. On peut prendre ces montants-là, on affecte ça dans les grands équateurs pour baliser le fleuve et puis interconnecter les territoires.
et mettre ça des routes à péage et des poissons. Donc le projet existe. Le projet existe. Les investisseurs viendront parce que nous serions fréquentables. Si nous réussissons à passer toutes at ces routes. Exactement. Accord de coopération gagnant-gagnant avec le Rwanda, certains diront dans l'opinion publique, le Rwanda ne produit pas de coltan, pourquoi est-ce qu'on le fait avec eux? Le Rwanda ne produit pas telle et telle chose. Et pire, le Congo produit des denrées, des choses listées dans cet accord qu'il pourrait lui-même organiser sur son territoire. Pourquoi cet accord? Pour faire comme ce que demandait le président François Sarkozy quand il s'est adressé devant le Parlement réuni en Congrès, partager les richesses du Congo. Je n'étais pas associé au projet Rwanda, je n'aurais pas grand-chose à dire, mais par contre, ça ne me gêne pas, parce que le Rwanda, c'est un voisin naturel. Et ils seront, ils vont demeurer toujours le voisin naturel. Alors, un voisin naturel qui n'a pas les coltans, un voisin naturel qui n'a pas l'or, mais un voisin qui a une organisation. Pourquoi ne pas ouvrir le marché pour transacter avec ses voisins, parce que beaucoup de nos compatriotes transactent avec le Rwanda, qui est le pays voisin. Pourquoi ne pas plutôt organiser ces exploitations chez nous? La guerre qu'on nous a imposée depuis de nombreuses années serait la guerre de l'exploitation commune par certains pays des richesses du Congo. Ceux qui nous faisaient la guerre hier ont donc gagné aujourd'hui le droit d'exploiter comme nous les richesses congolaises. Je disais que, en toute honnêteté, je n'étais pas impliqué dans le projet, mais j'essaie de comprendre. Il y a des pesanteurs sur le plan politique qui valent plus que la conception sur le plan économique. Ça peut se comprendre s'il faut le calme, éradiquer, je dirais, le conflit, l'insécurité dans l'Est, pour que les Rwandais étant proches de chez nous, plutôt que de, je suis en train de réfléchir à haute voix, d'exploiter certaines de nos ressources, mais ça ne dit pas qu'on les donne au Rwanda, c'est un partenariat. On aura peut-être à avoir un avantage comparatif, peut-être parce qu'il y a l'énergie facilement au Rwanda. On exploiterait certaines ressources de sorte qu'on déterminerait la répartition des parts. Donc le Rwanda gagnerait l'accès aux ressources, nous gagnerions la protection des pays voisins et l'assurance qu'il n'y aura plus de guerre et qu'on pourra profiter de leurs expertises pour exploiter nos richesses. N'ayant pas été impliqué dans la réflexion par rapport à ces partenariats, vous me poserez la question sur l'Égypte, je sais répondre, mais sur ces cas-là, j'essaie de comprendre que des fois, il est mieux de faire les arrangements qui pourront assurer une certaine sécurité plutôt que de mettre en premier l'intérêt économique. C'est ce que je peux peut-être voir comme intérêt par rapport à cela et je ne vois rien de mal. L'avantage comparatif, peut-être que l'environnement s'apprête à développer ce genre de projet au Rwanda. Je n'ai pas fait d'analyse là-dessus. Mais les gens qui l'ont fait, je pense qu'ils ont réfléchi par rapport à ça. Le mieux est que si aujourd'hui nous avons la sécurité et la paix dans l'Est, ça vaut plus que les intérêts qu'on peut tirer dans l'affaire qu'on a traité avec les Rwandais sur le sol rwandais. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de 500 voitures de l'Assemblée nationale. Alors on parle d'un don du président, le président de l'Assemblée, du président de la République. Le président de l'Assemblée nationale parle ensuite d'un crédit. Mais des sons fuités. De quoi s'agit-il au juste, vous, à la présidence de la République, qui ne s'est pas exprimée depuis le début de cette affaire? De quoi s'agit-il exactement? C'est la présidence qui donne, c'est l'Assemblée nationale qui prête, ou c'est Huawei qui envoie des voitures, parce qu'il y a eu un communiqué diffusé le 16 mai dernier, qui offre des voitures aux Congolais pour que la marque Hyundai devient aussi célèbre en RDC que les autres marques telles que Toyota. Tous les députés sénateurs qui bénéficient des véhicules, ils bénéficient des facilités de paiement.
C'est-à-dire qu'on fait un montage pour qu'ils accèdent à des véhicules à crédit et qu'ils vont payer. Et que s'ils n'arrivent pas à terminer le paiement à crédit, on va retenir sur l'indemnité de sortie pour qu'on puisse solder la dette. Je le dis avec force parce que mon jeune frère a fait ce montage-là. Il a eu en son temps Kengo, président du Sénat. C'est mon frère qui a livré tous les véhicules aux sénateurs. Monsieur Alpha Bilomba. Et ce montage-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais aujourd'hui, de quoi s'agit-il d'un c'est montage la même chose. C'est la même chose. La République n'a pas les moyens aujourd'hui de se permettre d'acheter 500 véhicules donnés aux députés. C'est l'accès au financement innovant. C'est là où peut-être nous, les Congolais, nous ne comprenons pas. Nous pensons que tout doit se cash. Comment est-ce qu'on peut acheter une maison cash? Non. À quand les investissements innovants dans l'agriculture, certains diront 500 voitures, c'est 1000 tracteurs ou 1000 ambulances. À quand ces investissements innovants la population? C'est parce que la polémique qu'a ouverte cette affaire de 500 voitures est beaucoup revenue sur ce fait. Oui, je comprends. Je pourrais dire une chose, que ce que vous dites est vrai. Je suis d'accord que avec ce que nous venons de vivre tout récemment, de la COVID, depuis mars de l'année passée, je commence à comprendre une chose, qu'aujourd'hui, il est important de privilégier l'espérance de vie la plus longue possible à nos concitoyens, plutôt que de parler croissance économique. Et pour avoir une espérance de vie longue, ça nécessite d'être en bonne santé et bien se nourrir. Donc ce sont ces secteurs-là où l'on doit investir davantage pour permettre, je dirais, des conditions de vie meilleures à nos semblables. Il faut bien se nourrir, il faut bien, accéder aux soins de santé pour espérer avoir une espérance de vie assez longue. Je conçois ce que vous dites là est vrai et j'appuie. C'est tout le travail que nous faisons au niveau de la présidence pour accompagner les chefs auprès du gouvernement, des différents sectoriels, de part des ministres, qui puissent mener des bonnes politiques, effectivement, pour changer la donne. Qu'aujourd'hui, l'agriculture, un pays comme le nôtre, devait produire suffisamment des produits agricoles, les transformer, c'est-à-dire des industries manufacturières de transformation pour qu'on ne puisse plus importer de la nourriture.
So you said one of these, you want them to be transition. Both of them. Both of them transition. This one, I kind of want a like a brown color. And this one, I think we can go the gray, like gray. Gray. Yeah. Cool. Yeah, that'll work because the this is a nice brown frame, so I think the brown would look better than the gray. Just keep in mind the gray is going to be darker than the brown. Right. Right. Lens material, you want to do basic plastic or you want to do the polycarbonate impact resistant one? Impact resistant. Okay. Yeah. Did you get a lot of jokes growing up? Is your name Usher? They'd be like, Usher. When did you move to America? Like, did you go to high school here? I did half my junior year and my senior year. Senior year. Oh, so. You came at the right time. Yeah. But I came from the Congo, and we speak French over there, so so I had to like learn English in high school. So in like 1.5 years, I had to completely learn English before I graduated. Yeah. Oh, because that was like a super requirement. Right, that was a requirement. So I had to learn English before I graduated. But what, you speak really well? I mean, obviously now it's years. Yeah. What's the abbreviation for Chicago? The States? Yeah. I am. It's Illinois. Oh, I was backwards. That's why. I was like, Chicago. That's ridiculous. I was like, what abbreviation? Yeah, I know. College for Chicago. Listen, that good old Southern education system for you. So you're just here on a trip? A trip. My family is mostly here, so I'm here on the trip. Okay. But I also think about moving back. You know. You like it in Chicago? I like it. Yeah. I grew up in Nebraska, so yeah. It got really cold. Oh, man. Hated it. Yeah, I know. That's the only thing about Chicago. As far as the city life, I love it. It's fun, huh? It's a lot more fun than here. So, but once you reach a certain age, it's you want to settle down. Yeah. Texas is a lot. Because it's pretty rowdy, too. And as far as the resources for kids, if you had kids, it's a lot better. Yeah. Schools are a lot better here. Yeah. If you're young, you're still in the fun. Yeah, yeah, you go up there. Yeah. Chicago's definitely fun. Right. Are you a Bears fan and Bulls fan? You're a Bulls fan? Or? I would say Bulls. Bulls? But yeah. Not football. We're not that good. Football, the Bears, we're not that good. No. So, yeah. The Sox, we are. They used to be a lot better. They used to be a lot better. I would probably say Bulls and Bears, Chicago Bears. That's where I follow. I watch those games. Yeah, okay. Yeah, not so much the Sox and the Cubs. Yeah. Well, more so the Sox than the Cubs. Right. Yeah, people are crazy about the Bears out there, man. Oh, yeah. I Chicago Bulls, too. Yeah, the Bulls. Diehard Bulls fans, like, what? Yeah, they love their team over there. Do you and your family ever go like home visit, like big family? It's expensive. I was back home last year before COVID. Yeah, I was there for 2 months. And then here's our store number and my name, so if you have any questions or concerns, just give us a call. Sure. We'll be sending you a text message. Thank you, guys. You're welcome. Have a good one, man. All right, thanks. You too. Na prison, tout ça dans l'état de droit. Ce qui est le aux ok, devant un juge, pour défendre yo, vous allez acquitter. Ce que vous avez mouillé, vous allez gagner en mouillé. Et la kanga, vous allez dénoncer. Vous allez passer ces lignes. Vous allez faire un vous avez vu, est-ce que ma procès est au madame Bokoyo? Et ma politicien? C'est pour vivre. Et puis, pour continuer.
surtout dans le secteur minier, dans les grands Katanga. Il y a des tireurs de ficelles. Des grands tireurs de ficelles. Turn left onto West Airport Freeway. Parce qu'avec les leadership visionnaires, il y a Mokonza Mboka, Félix Antoine Tshisekedi. In three quarters of a mile, bear left to merge onto SH-183 East. Qui que tu sois, ô millionnaire, milliardaire, mais ce que tu as travaillé pour na Kokuyi Samboka, mais ce que tu as Takiyo. Est-ce que la famille présente est oubliée par un millionnaire? Ben, use the left lane to bear left to merge onto SH-183. Est-ce que le logo vivo ça l'évaluation? Bear left. Selon Yo, étant bon, le lingo vino Kanaki, si ça connu le problème, quels sont les problèmes? Ce qui est ma problème dans Ouezali, dès que nous avons envisagé pour résoudre justement ce problème, pour que le lingo vino vous souhaite. Étant bon, l'ingo vino vous souhaite. Moi, résistance, Zali. In 5.9 miles, continue on to IH-35 East Air. Résistance, la justice. Je dis bien résistance, c'est-à-dire la justice. La justice de chez nous est singeli. Bah, état-major est ça là-bas. Pour que tout repenser la manière de faire. Je ne suis pas expert dans le domaine loi là. Mais est singeli. Ok. Bah, où est la justice à tous les niveaux? Base à la prise en charge correctement. Base à la reconnaissance de la mérite de la bango. Il faut qu'on gracie Salamalamu et il faut, je dirais, réprimer Baobako et Nambeba. Dans la justice à Malamu Namboka, c'est ça qui élève une nation. Et ce qui justice à ma paix, il y a rien ne marchera. Résistance, c'est la justice. Parce qu'il faut pas changer la manière de faire. Vous avez la contrôle à la justice malgré tout ce que le président a fait, à Sali Barimalman, l'armée, à Sali Amon, la justice. Jusqu'à présent, vous avez toujours un problème de la justice. Les matières, ce sont des humains. Et pour la base à la changer, il faut qu'on exorcise Bango. Et qu'on a moins de temps. Mais je pense que, dans le monde, discipline et qu'on appelle la justice. Et puis, bon, solo et gokota la justice, pour ma pesaka, justice n'a combien à mon condi, n'a n'engé à bon solo. Et ça, c'est très important. Et ça, dans le domaine, il y a le droit des affaires, surtout dans l'affaire. Ce que tu dis, ma société, ming et ça, dans l'insécurité, braderie, tracasserie, secteur minier, terrible, terrible. Hydrocarbures, n'en parlons pas. Il y a un c'est la justice. In 2.1 miles, keep right onto SH-12 Loop N towards IH-635 East. Ce soir, et que pèse à maille et la moto nionso n'a pas de justice. Et ça, c'est très important.
mettre ma carte de crédit arrimée sur le compte général du trésor, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est une façon d'y avoir dépensé mon à l'État sans respecter la chaîne de la dépense. La chaîne de la dépense, c'est quoi? La chaîne de la dépense, c'est une bonne Liboso que mon solidarité bima. Il faut une autorité à engagement. Engagement, vous allez dire ministère des Affaires sociales. Le ministre des Affaires sociales a fallu un engagement pour un montant quelconque de 1 million de dollars. Ou bien c'est 1 milliard de francs congolais. A engagé un mot, a dit on a budget. Budget dans la Botswango a fallu que quels sont les crédits accordés au ministère des Affaires sociales. A validé un mot. Tant qu'à valider un mot, donc à salir avec la liquidation. Tant qu'à liquider, à tenir bon la finance. Finance à vérifier, à salir au Bengaga, dans le photo ordonnancement. Et tant qu'au finance, à salir ordonnancement, si ma à tenir la banque centrale par OPI. Opération à paiement informatisé. Et banque centrale à Fouti. Au moins, il circuit ou là, sur qui m'a dit, je suis en chaîne de la dépense. Mais il y a autant que si vous avez carte de crédit au pays, dans l'étranger, ou bien dans la Kinshasa, ok, au Tindiki, dépense, mon gros, semi montre Rolex, ça coûte 40 000 dollars. Au Tindiki, au du montre Rolex, et l'équi, et compte, il y a l'État, il y a les députés, sans que au sali trajet on a un petit exemple du ministère des Affaires sociales. Il faut bannir ce système. Ceux qui ont voyagé à la autorité, vous payez frais d'émission. Ceux qui ont dépensé belé, vous payez provision. Vous payez 200 000 dollars dans la carte de crédit. Tant que vous avez liquidé le voyage pour dire aux dépenses qui sont bonnes, aux zones qui sont trésor. C'est ça la meilleure façon de faire pour respecter la chaîne de la dépense et être en harmonie avec les finances publiques. C'est vrai que vous avez la faiseur des leçons, l'explication, la macabre, moi qui ai l'avantage de la vie. In 2 miles, take the exit to merge onto express lanes towards US 75. Parce qu'on comprend que les gens ne sont pas dans la même côté. Il y a la justice. Il y a un tindic qui est en haut. Et si je suis prêt, je vais vous déclarer. Et comment il n'y a pas le procureur général, il y a la cour de cassation. Il y a un dossier. Est-ce que la CIA a permission de la dénoncer? Est-ce que vous pouvez sur le plan d'accord du dossier où il y a 15 millions? Là, démissionner pour la ministre. La ministre va continuer. Nous allons continuer à vous dénoncer. Donc, ce que vous avez dit, c'est bel et là. Nous allons dénoncer. Mais le lot est commis combien? Et moi, il n'est pas pratique à Kabila. Et commis combien? C'est vrai que vous avez fait des efforts. Mais il n'y a pas de Kabila vous a copié. Pourquoi est-ce que c'est 500 jipes et bien? Au lieu de fouter, vous avez fait. Take the exit to merge onto express lanes towards US 75. Il est élu pour 5 ans. Il a calculé que 5 ans, il a une indemnité, il a un salaire. Si vous avez un salaire, vous avez un salaire.
indemnité de sortie. Ce n'est pas qu'une république et in 3/4 of a mile, take exit 19A on the right onto US 75 North, towards Dallas. La communication n'était pas bonne. La communication n'était pas bonne. Mais à tous ceux qui ont autour de ces dossiers. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler de Bosso? Pourquoi vous avez peur de parler de Bosso? Use the right lane to take exit 19A on the right onto US 75 North towards Dallas. Comme d'habitude. Les chefs arrivent, vous l'avez accompagné. Mais avec des dossiers, j'ai des documents avec preuves tangibles et visibles sur ma table. Keep right. Then take the exit to merge onto US 75 South towards Dallas. Use the right lane to take the exit to merge onto US 75 South towards Dallas. Vous pouvez nous expliquer le contexte du milieu, vous savez, dans ma démo, nous sommes toujours dans le milieu qu'on a eu pour nous apporter par la parole, mais ce n'est pas une chose à la rivière et qu'il n'y a qu'un mot à cela à l'époque. Dans quelle circonstance? Take the exit. Il aurait mis Baloyo aussi, que ce soit la présidence et ça soit de l'autre côté. Ça, c'est la première de question. Il y a un Pessaki, l'ordre, qui a été, mais l'ordre pour que vous avez bénéficié, il y a pris moi. Il y a besoin de minimiser 11 millions, vous avez besoin de monter. Il y a proche à l'école, mais ça, il y a un million, il y a un dollar. Il y a besoin de 5 000 dollars, c'est à peu près. Mais qui a donné l'ordre? Nous voulons avoir des explications. Très bien. Il y a un Liboso na kota na Modindo à l'Igamo. On a corrigé quelque chose. Je n'ai pas accompagné le chef d'État na Égypte. Je suis quand même fier des médias congolais, hein. En tout cas les médias que je suis. Auparavant, les médias congolais, eux, ils faisaient seulement des... C'est ce que j'appelais avant le gossip.
c'était le gossip politique. Hein, donc ce sont les rumeurs. Eux, ils faisaient un peu comme le TMZ. Eux, ils faisaient le gossip politique. Mais maintenant, si vous regardez les émissions et vous faites attention au contenu, vous remarquez vraiment une différence où les interviews sont vraiment... Il y a du contenu dans l'interview. On apprend quelque chose d'intéressant. C'est pas seulement citer les noms des gens et puis faire des polémiques, mais on apprend vraiment quelque chose dans ce qui se passe. Ici aux États-Unis, ce qu'on dit, on dit « it takes money to make money ». Donc, je peux répéter ça. On dit « it takes money to make money ». Ça veut dire que tu as besoin de l'argent pour te faire de l'argent. Et je crois que j'avais mis ça une fois dans un post sur Twitter. Il y a un Congolais là qui me disait que c'est faux, c'est pas vrai. Tu n'as pas besoin d'argent pour se faire de l'argent. Et lui, il ne comprenait pas. Il me dit que tu n'as pas besoin d'argent, tu peux te faire un crédit. Quand on parle de « it takes money to make money », on veut dire que « you have to bring something to the table ». Donc toi, quand tu viens sur la table, tu dois emmener quelque chose. Et la chose que tu emmènes est souvent de forme, je ne sais pas si je peux bien dire ça en français, mais c'est de là, tu emmènes la monnaie, tu emmènes le financement. Donc ça veut dire que tu as besoin de financement, soit ce sera ton financement à toi-même que tu as avec tes économies, ou bien ce serait un financement que tu vas aller prendre à la banque. Mais ça peut aussi être une autre forme de financement. Par exemple, vous pouvez vous avez envie de faire des affaires, mais personne ne veut vous donner de l'argent. Et puis vous partez chez un cousin ou bien chez un grand-père, et le grand-père, lui, vous donne de l'argent. Tu ne peux pas dire que « oh, cette personne n'avait pas d'argent ». Non, cette personne, « it takes money to make money ». Tu as besoin d'investir quelque chose to make money. Vous vous rappelez, j'ai parlé de la maison. Le Congo est une maison qui est mal construite. Et quand vous avez une maison qui est mal construite, ce que vous devez faire avant de la vendre, ce que vous devez faire, c'est améliorer, c'est arranger la maison. Vous avez la DGRK, vous avez la DGI, vous avez tous ces services de l'État. Et tous ces services de l'État, au fait, ils font le même travail. Ils peuvent être vraiment combinés dans une structure. Et c'est ça le problème au Congo. C'est un problème systématique. Le système est mal conçu. En général, ce que le Congo doit faire, le Congo doit aller chercher de l'argent quelque part. Because it takes money to make money. Ou bien tu peux aller emprunter d'une autre façon. Mais it takes money. Tu as besoin, tu devras, ce sera une dette que tu auras envers quelqu'un. Et c'est ça que le Congo doit faire. Le Congo doit aller s'endetter, et les Congolais doivent comprendre que le changement que vous demandez au Congo demande de l'argent. Vous n'avez pas cet argent. Et c'est ça que le conseiller est en train de dire, que vous allez utiliser des voies un peu innovantes pour relever les fonds. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Bon, ils pouvaient faire ça pour autre chose, pas plus sur les jeeps. Mais c'est un peu ça le concept. Il a raison, c'est une façon innovante de... Vous pouvez utiliser d'autres façons innovantes pour... il faut comprendre que « it takes money to make money », donc vous allez un peu utiliser de l'argent au Congo, vous allez vous endetter, et espérant que cet argent que vous avez pris des autres, vous allez l'utiliser vraiment pour investir. Parce que dans le passé, on n'a pas utilisé cet argent pour investir, on a fait des bêtises avec. Donc, c'est un peu ça. Mais j'aime beaucoup ce que les médias sont en train de faire. Le débat a vraiment évolué. Il y a maintenant du contenu dans tout ça, et c'est une bonne chose, quoi. J'ai regardé la télé pendant 2 jours. J'ai dit que je ne veux plus jamais suivre la télé à Kinshasa. Et parce que je vous dis vraiment que ça excusez-moi le terme, mais ça abrutit. Et mais maintenant vous remarquez que le débat évolue. Les médias sont vraiment dans un débat qui est intéressant, un débat qui est productif.
Mais comme je disais dans l'autre truc, est que le plus important ici, c'est que ce qu'ils vont faire pour la population de Kananga et Mbujima. Puis il y a trois autres projets pour d'autres places. Donc c'est ça le plus important. Je crois que si vous devez, en tant que média, si vous devez peut-être classer en ordre d'importance, je veux dire que la chose la plus importante que vous devez faire, c'est peut-être vérifier, donc poser la question, interpeller, comme vous dites. Et c'est ça que vous avez fait. Vous avez interpellé la personne et la personne vous a donné l'explication. La deuxième chose la plus importante, c'est l'impact social de ce projet. C'est ça maintenant, on doit maintenant rester maintenant sur ça et commencer maintenant à discuter sur l'impact social. On a signé un protocole, on a signé des accords. Et qu'est-ce qui se trouve dans ces accords? Comment on va? C'est quoi les choses? C'est entrer maintenant dans ce dossier pour comprendre un partenariat gagnant-gagnant veut dire quoi. Les médias maintenant en deuxième position, vous devez entrer maintenant dans ce débat. C'est là maintenant que vous devez entrer dans ces détails. En troisième position, c'est là maintenant que vous pouvez rentrer et vous dire maintenant que oh, est-ce que c'est la présidence qui devait le faire ou bien c'est le FPI. Mais si vous commencez à changer cet ordre-là, les choses deviennent un peu trop compliquées. Mais comme je disais, coup de chapeau aux médias, hein. Ils font du bon travail et c'est vraiment à féliciter. All right, let's go. Right?